Je peux pas venir demain, problème de boulot, dis-le aux parents, je vous appelle, bise. Ça fait un an qu'elle est pas revenue. C'est ta faute, tout ça. Elle s'en fout de nous, et toi, tu dis rien. On aurait dû y aller. Ça fait combien de temps que t'es pas revenue à Paris? Regarde, papa. Presque 20 ans. Allez, papa, tu marches à deux temps, ça. Pourquoi tu cours? J'étais dans un foyer d'immigrés. Tout ce que je voulais, c'était gagner de l'argent vite et rentrer chez moi. C'est là? Leïla, c'est ça? Voilà. Ah ben, je suis désolée, mais elle est plus chez nous. T'as vu quelque chose, toi? Oui. Tu me dis la vérité, hein? Viens, on traverse, c'est sur le trottoir en face, là. Viens. Là. Là. Deuxième gauche. Allez, viens, papa, cours. Leïla, c'est papa. Ça te manque pas, l'Algérie? C'est vieux, tout ça. Mon papa, c'est bien de savoir. Dans le quartier, elle n'a pas des habitudes. Il est un peu tard maintenant, vous croyez pas? Comment ça? C'est une grande fille. Elle vit sa vie. Ah non, elle travaille plus ici, elle est là. Il la demande. C'est son père. Passez plus tard, une des filles pourrait peut-être vous renseigner, mais elle sera pas là avant 22h. Elle pourrait pas emmener la petite, hein. Faudra venir tout seul. Je cherche ma fille, Leïla. Viens. Leïla, c'est papa. Je sais pas ce qui se passe. Je suis à Paris avec ta sœur et je te trouve pas. Je suis en colère, tu m'as menti, Leïla. Je sais que tu vas plus à l'école, je sais pas ce que tu fous et j'arrête pas à croire ce qu'on m'a dit à ton club. Je veux que tu me rappelles. Faut que tu l'aides. Faut pas l'abandonner.